Elles sont jaunes, petites et poilues, très critiquées par les joueurs, mais surtout elles ont peut-être bouleversé le palmarès tennis de ces dernières années. Mais comment? Eh bien réponse juste après ça. Je résume, Dunlop est la marque officielle du circuit ATP jusqu'en 2028, mais les tournois peuvent choisir de négocier individuellement avec d'autres marques pour jouer avec d'autres balles. Logique. Du coup, techniquement, un joueur peut se retrouver à jouer 4 semaines consécutives sur la même surface, mais avec des balles différentes à chaque fois. Ces changements incessants s'accompagnent de critiques récurrentes sur la mauvaise qualité des balles, de toutes les balles. Certains joueurs comme Stefanos Tsitsipas les ciblant même pour expliquer leurs blessures. Les petites baballes sont devenues un sujet de conversation majeur sur le circuit, et Richard Gasquet est revenu en détail sur l'impression générale cette semaine. Depuis le Covid, il y a un problème de qualité de balles, on dirait des balles de supermarché de l'époque. Les mêmes balles avec lesquelles je jouais à 10 ans, tu jouais 15 fois de suite avec, et que tu mettais dans le panier. Ce n'est plus le même tennis qu'il y a une dizaine d'années, il faut frapper, les mecs qui frappent fort dans la balle ont plus de contrôle. La dernière phrase du GOAT Richie est intéressante, car des balles qui gonflent très vite, qui sont très lentes et qui ont du mal à traverser l'air, cela favorise immédiatement un certain type de profil. En priorité, les frappeurs puissants et inlassables, très endurants, ceux qui sont capables de s'épanouir dans des profils de points intermédiaires et longs. Cette course à la puissance et à l'endurance existe depuis les années 80, mais elle s'est incontestablement amplifiée ces dernières années. Chaque tournoi voulant ses highlights et ses rallyes à partager sur les réseaux sociaux. Pour aller plus loin, selon Tennis Abstract, sur les 52 dernières semaines, Alcaraz, Sinner et Djokovic dominent les points intermédiaires, Rublev domine les points longs, et le top 4 actuel se trouve dans les 7 premières positions pour les points très longs. Sur les retours de service, et ça ne va pas vous surprendre, c'est Medvedev et d'assez loin qui stabilise le mieux les échanges et emmène ses adversaires dans des rallyes de 5,3 coups en moyenne, secteur dans lequel il est plutôt à l'aise. L'autre profil favorisé par ces balles est celui du défenseur-contreur de transition que Djokovic incarne à merveille, un profil de jeu qui a imprégné la nouvelle génération avec Sinner, et même Alcaraz sur certaines séquences de jeu, même si l'Espagnol possède un ADN davantage porté vers le tennis champagne. Djokovic a d'ailleurs pris quelques kilos de muscles au niveau du haut du corps à l'intersaison 2022, à la fois pour abréger les échanges, mais aussi lutter dans la puissance face à ces nouvelles menaces. Enfin, cette évolution est terrible pour les revers à une main qui n'ont pas l'appui d'un deuxième bras pour absorber la lourdeur des balles. La situation s'est aussi compliquée pour les joueurs essentiellement techniques, et peu puissant. Pour résumer, ces balles ont amplifié un phénomène qui existe depuis longtemps déjà, celui du ralentissement et de l'apogée du tennis d'usure pragmatique. Ok, les balles ont ralenti le jeu, mais ce ralentissement ne date pas d'hier. Tout converge vers Wimbledon 1994, une finale rompiche entre Sampras et Ivanisevic, ponctuée de 42 aces en 3 petits sets et totalement dépourvue d'échanges. Ce match va enclencher une profonde réflexion du côté du All England Club, qui n'aura de cesse d'essayer de modifier les balles et la surface pour les ralentir dans la deuxième partie des années 90, jusqu'à une modification drastique du gazon en 2000. En filigrane, on comprend très vite qu'il est complètement incohérent de comparer les 5 titres de Borg à Wimbledon aux 7 titres de Djokovic, tant la surface, le matériel, la concurrence, les outils de récupération et la médecine ont évolué en 50 ans. Djokovic n'aurait pas pu être Djokovic dans les années 70, et Borg n'aurait pas été Borg dans les années 2020, ce sont deux joueurs qui sont le produit de leur époque. Surtout quand toutes les surfaces se ressemblent, il est beaucoup plus simple de gagner en ne pratiquant qu'un seul style de jeu, là où Borg a réalisé 3 triplés Roland Wimbledon, en adaptant profondément sa méthode en un temps record à chaque fois. Et non, ce n'est pas parce que Borg n'a remporté que 11 grands chelems en s'arrêtant à 25 ans qu'il est un moins grand champion que Federer, Nadal ou Djokovic, il est même peut-être un plus grand champion que ces trois-là. Et pour faire comprendre ça au tennis, c'est pas facile.